Salut à tous. Alors là, je vais vous montrer comment fabriquer l'ampli, toujours en compagnie de Moodox. Salut. Voilà. Alors pour l'ampli, alors quand vous, alors pour l'instant il n'est pas posé. Hein, c'est, je fais la vidéo en avance pour le build et comme ça je pourrai enchaîner mes défenses et j'aurai pas besoin de détruire d'autres choses. Alors voilà. Quand vous l'aurez posé, alors moi pour moi l'ampli B, donc celui-ci, vous aurez plus de spawn. Donc vous pourrez entièrement détruire cet amplificateur. Enfin, toute cette kickette. Alors pour l'instant, moi j'ai laissé. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de parler et je t'entends parler derrière. Bon, pour l'instant, moi je le laisse parce que j'ai pas encore fait ma défense Picardie 9. De toute façon, là je vais juste. Je vais vous montrer donc la structure. Alors vous avez un spawn en S, un spawn en sud. Alors moi je l'ai jamais eu, je sais plus exactement où est-ce qu'il spawn. Je crois que c'est là. Pour l'est et là aussi, il y a deux spawns assez éloignés. Alors, on va commencer par là. Donc là, ici, il y a un grand trou. On va essayer d'en profiter. En mettant... Non, non arrête. C'est pas possible, quel gosse. Tac. Je vais y arriver. Alors ici, on va les envoyer en mettant des propulseurs... muraux et des sols à projection avec les rampes inversées au-dessus pour les envoyer en dessous. Non, attends, non, non, n'améliore pas tout de suite. N'améliore pas tout de suite, je vous montre juste pour fabriquer. Sinon, ah mince, une météorite là, ça va être assez embêtant. Bon, je vais construire, on va voir ce qu'elle détruit. Donc, ils vont monter par la rampe. Alors, 3 de longueur, ça fait un peu, ça fait grand, du coup, on va les réduire sur 2. C'est pas possible. Pourquoi j'ai accepté que tu viennes? Tac, alors ici on fait un couloir classique. Alors ici on va pouvoir donc les faire tomber par ici aussi. Là on va bloquer. Mais qu'est-ce que tu fous encore? Mince. Alors, donc là, plafond. Alors, je vais pas mettre plafond partout. Ici, on peut les faire tomber. Alors, ici, on va les renvoyer en arrière. On va juste mettre un problème. On va pas mettre de seule projection. On va essayer de mettre un maximum de plafond toxique. Là, ici, on va pas pouvoir... Si, si, si. Je réfléchis. Si on met comme ça, et là, un seul à projection... Ouais, tu penses qu'ils vont tomber dans le vide si on met un sol à projection et un mur comme ça? Enfin, un côte comme ça? Franchement. Tu penses qu'ils vont être éjectés dans le vide là? Bah oui, 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 je pense. Donc là, ici, vu qu'on a bloqué, hop, plafond, la sol à projection. Alors ici, on aurait pu faire une box là, mais je préfère les envoyer dans le vide et faire les box après. De toute façon, on va pouvoir en faire plusieurs. Moi, c'est économique. Quoi? Rien! Tu parles tout seul? Ouais. D'accord. Non mais si tu veux. Hein. Hop, la deux box. Ici donc, on va les faire tourner. On va refaire des box là. Enfin une seule. J'hésite à la mettre parce qu'elle est vachement près de l'ampli. Si ça va le faire. J'ai ça. Après j'ai ça. Tac. Alors pour ça c'est bien. Quoi que, attends, Pierre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Imaginons que ça se projette. T'as pas peur? Si, j'ai pas peur de quoi? Ça passe de l'autre côté. Là-bas? Non, mais de toute façon, il y a un spawn, il y a des ennemis qui vont apparaître là. Et du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah, du coup, si ça revient là... De l'autre côté, ouais, ils seront pas éjectés, ils passeront pas tout le ravin, mais si c'est le cas, ils vont faire ping-pong. Alors, bombe de lave. Oh bah ça va, oh bah elle atterrit là, ouais nickel. Ouais, donc après ici, je sais plus à quel niveau ils apparaissent, mais bon, vous pouvez faire du coup, je laisse ouvert, voilà, pour qu'ils rentrent ici. Et là, ici, plafond toxique.
Voilà, un grand plafond toxique. Je sais pas s'il y a une météorite qui atterrit là. Ouais, elle serait déjà venue. Donc voilà pour ce côté-là. Ici, donc on va faire pareil. On va démarrer là à peu près. Hop, on va les réduire sur 1. Arrête de faire ta pub. Ah là là. Oh merde. Ah bah toi aussi t'es tombé. Alors par contre dans le cas où on tombe, il faut... Ouais bah faudra pas tomber. Ah il y a une rampe là, elle est assez proche. Dans ce sens ça fait faire... Ouais ok, je sais ce que je vais faire. Donc... Oh il y a une météorite. Ah non c'est la même, ah d'accord, elle se déplace sur toute la longueur. Ok. Bon de toute façon c'est ici, c'est là que ça va être important. Donc là, propulseur. Et ça la projection. Là ici aussi. Là je vais trop voir quand ça va être. Quand ça, ça va être en route? Ouais. Bah dès que j'ai fini, je piège. On fait ma pick 9 et après la pick 10, on la fera avec ça. Alors ensuite, ouais. Donc là on peut... c'est qui? Attends, deux secondes. Ah, attends deux secondes. C'est bon. Alors... Ici, je vais pas remettre seule la projection. Ouais, si. Ici, seule la projection. Ah, oh, mais c'est pas possible. J'étais vraiment un gosse. En plus, on voit plus rien maintenant. Bon. Et je vois rien là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai lancé une pistolet, ça redit là. Ah, ça fait le tour. Bon. Sinon, donc ils arrivent là. Et là, il y a le spawn en sud, donc on va rejoindre les deux qui guettent. Peut-être même que je vais... Voilà. Si, je vais bloquer là. Ouais. Donc là-dedans, bah, très facile à piéger, hein, vous servez des murs. Là, on va même faire une box, je pense mettre un propu là. Donc là, je vais pas aller plus loin, je vais faire ça quand on va faire le spawn en sud. Sinon, donc là, sur la projection, on va remettre un sur la projection là, du coup ça, on enlève. On va essayer de les faire tomber au maximum en bas. Ici on pourrait, mais je préfère mettre un plafond toxique. Là, c'est un peu en renfoncement, je vais plutôt mettre un plafond toxique. Et là ici, ça va être... T'as fini là? Là, full plafond toxique. Et là, voilà, ils arrivent. Moudak a déjà mis le petit mur bas. Alors par contre, ici, s'il y a des balanceurs qui tombent, ils vont vous bombarder. Du coup, une muraille là. Et au-dessus, on va faire un grand plafond. Le trou, il s'arrête là. Là, ici, ouais. Ça va le faire. Donc il n'y aura pas de piège à mettre là-dessus. Donc là, ici... on va laisser... non, attends. On va s'arrêter. Là, tout ça, voilà, on met pas. On va s'arrêter ici, juste au niveau du trou. Ça devrait le faire, là, je regarde. C'est bon, on a recouvert tout le trou. Là, on peut quand même mettre ça. Et voilà. Là, normalement, les balanceurs, l'aubeuse, il n'y a plus de problème. Après, je sais pas s'ils vont tirer et défoncer le plafond. Et voilà, faut bien le mettre en hauteur pour éviter que les ennemis qui vont être éjectés atterrissent dessus. Pourquoi il y a un mur là? Ah non, oui, c'est normal. Je vais refaire ça vite fait, donc je sais pas si ce météorite va le détruire. Voilà. On va donc faire le spawn en sud. J'ai peur qu'ils montent là-dessus. Je vais quand même mettre un mur là. J'ai peur qu'ils arrivent... s'ils sont éjectés un peu de travers, qu'ils atterrissent dessus. Attends, regarde.
sais pas, ça fait combien de distance tes lasers? Sur combien de distance ils peuvent être renvoyés? Alors ici, je sais pas du tout où spawnent les ennemis. Tu sais pas par hasard sur ce spawn là où est-ce qu'ils arrivent les ennemis? Ouais, je pense qu'ils vont arriver là en bas, sur une surface plane. Là où il y a les météorites. Bon. Putain, en vrai, j'ai envie de regarder la défense de quelqu'un, voir où est-ce que ça spawn exactement. Bon, on va partir du principe où ça spawn là en bas. Et on va aussi envisager qu'il spawn ici. Bon, il y aura, je pense pas qu'il y ait d'autres endroits possibles. Alors ici, c'est très facile, donc on va partir de là. Là, ici, je sais pas si je vais mettre des trucs. Je vais voir. Donc, de toute façon, il faut qu'ils arrivent là-dedans. Donc, on va les enfermer. S'ils arrivent de ce côté-là, ça fait quoi? L'ampli, là, c'est loin. Donc, ils peuvent monter là. Donc, ici, on va bloquer. Ah ouais, je suis plutôt bloqué en bas. Là, on va laisser comme ça. Tac. Tac. Voilà, on va bloquer là en bas. Ouais, bah celle qui est là-bas, c'est quel vachon. Ah, ils vont loin. T'as vu, ils ont ricoché sur le bord du bouclier. Tire la prochaine fois sur le dôme. Tu vois, ils ricochent dessus. Voilà, donc ça va suffire pour boucher. Là, on pourrait même rajouter un plafond. Là, ici, on va pas bloquer. De toute façon, ils vont rentrer là-dedans. Sinon... Donc là, je vais quand même bloquer ici, faire une petite muraille pour pas qu'ils aient envie de casser ce mur et arriver sur cette plateforme dégagée. Là, je pense que ça va suffire. Bon, sinon, ils arrivent là-dedans. Ah mais non, mais de toute façon, ça, il n'y a même pas besoin. Mince. Ah, c'est malin, ça. Non mais t'es sérieux là? Tu vois, je pense que tout à l'heure sur l'ampli G, t'es tombé toi dans un trou comme ça. Tac. Voilà, de toute façon, ils ont même pas allé là-bas. On va bloquer d'ici. Non, qu'est-ce que tu fais? Vu qu'ils vont monter là. Non, là ça va aller... C'est chiant, les rampes, les montées naturelles qui sont basses comme ça. Ouais. Voilà. Est-ce que... Non, on va pas les envoyer là sur le côté. Ouais. Alors, ici, propulseur. On les envoie dans la box. Donc là, ici, il va aussi avoir un propu et propu là. Ah, tes conneries. Hop, là, full plafond toxique. Là, ici, on va mettre ça. Là, ça ne sert à rien pour remettre des dynamos. Donc si les ennemis apparaissent... Mince, pourquoi ça veut pas aller? Bon, à cet endroit là, donc sur toute cette longueur, vous arrêtez là. S'ils apparaissent là en bas, donc vous pouvez prolonger la killgate. Je vois rien avec ta jambe de 16. Prolonger la killgate jusque là. Ils rentrent, ils prennent cher. Je pense que c'est bon. Ah oui, alors ici, on va bloquer. Je vais faire monter que sur deux. Elle est où la météorite? Elle est en bas, donc ça va. Voilà.
Je crois que j'ai mis un mur que je voulais pas. Bon, ça a l'air d'aller. Hop, ils rentrent sur deux, ici, ils prennent cher. De toute façon, là, c'est bien, il y a, pour l'ampli I, il y a beaucoup de distance. Même si le terrain est pas forcément évident de l'autre côté. Enfin, remarque, le trou, il nous sert bien quand même. Voilà, les spawns, ils sont assez loin de l'ampli, donc c'est assez pratique. Ouais. Là, ici, on va pouvoir rajouter une muraille, du coup. Bon, tu vas te calmer, Moodog, sinon je joue avec un autiste en titre de vidéo. Ensuite. Bon, ça a l'air de lui faire plaisir, donc je vais peut-être faire ça. Hein. Oh, je vois que j'ai plus de place. Donc, ça me paraît très bien. Maintenant, il reste ce problème-là. S'ils montent ici, ils vont arriver là. Donc on va quand même... C'est qu'une rampe de deux. Donc on a déjà renforcé là. Et puis de toute façon là-bas, ils rentrent dans la keygate. Mais quand même pas sécurité. Voilà, on met juste ça en plus. Puis là, ça m'étonnerait qu'ils fassent le tour. On pourrait même... Par sécurité, en fait, on pourrait même remettre une muraille ici. Et une ici. Bah, ça coûte pas énormément de ressources. Bon, qu'est-ce que t'as encore là? Bon. Là, ici, quand même, j'ai plus de. Bon, je vais finir en briques, de toute façon, il n'y a plus grand-chose. Je remplacerai par du métal plus tard. Ici, toute cette rampe là, c'est assez galère. Du coup, on va juste faire ça. Voilà, juste comme ça. Pour dissuader les ennemis de vouloir casser et monter par ici. Parce que là, ils ont un bon spawn dégagé là sur l'ampli. Ouais. La météorite. Qu'est-ce qu'il y a? Des zombies vont se baigner à la plage. Les zombies vont se baigner, il y a la plage. Oh mon dieu, c'est pas possible. Heureusement que c'est le dernier rempli. Hein. De toute façon, j'aurais fait les autres tout seul. Alors ici, je vais quand même. Non, j'ai enlevé ça quand même. Mince. Je vais enlever ça parce que au cas où il casse ici, j'ai pas envie qu'il monte. Parce que là après s'il monte, ça va vraiment être la merde. Et tu l'as dans le cul. Ouais. À la limite, voilà, il casse ici et puis il rentre dans la keygate. Et là du coup faudrait que je mette un petit plafond. Bon là il y a une météorite qui va casser. Bombe de lave. Oh ouais, mais elle se décale énormément. Elle peut taper là-bas quand même, elle peut taper là celle-ci. Ouais. Oh ouais, donc on peut mettre aucune structure durable sur toute cette zone. Donc là ici un petit mur de sécurité. Et je pense que pour l'ampli I devrait pas y avoir trop de problèmes. Faut juste que je vois. Donc ici on a laissé ça. Je pense que je vais bloquer. Pierre, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je ne sais pas ce qu'il a. Donc là, voilà, j'ai montré pour tous les amplis. Maintenant, j'ai plus qu'à faire ma défense Picardie 9, Picardie 10, puis le mode endurance. Je vous dis... Quoi? Rien. Bon, je vous dis à la prochaine. Ciao.